Yes. Oh là là, mais je suis blanche. Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de face cam. Les dernières vidéos, c'était que des vlogs. Mais il fallait absolument que je vous parle de plein de trucs. Déjà, normalement, je devais avoir un micro. Parce que normalement, j'ai un micro incroyable, trop stylé. Sauf que j'arrivais pas à le connecter. Figurez-vous que je me suis pris un tout petit peu au dernier moment. Je n'ai pas le câble qu'il faut pour le brancher. J'ai essayé avec un que j'avais, ça marche pas. Donc on va aller chercher des câbles de prise jack. Ça va être sympa encore cette histoire. Mais bon, c'est pas grave, on est content, on est heureux et puis on passe directement au vif du sujet. Dans le titre, aujourd'hui la vidéo parle de téléperformance parce que vous savez pas le nombre de messages que je reçois par jour sur mon Instagram où des gens me posent trop de questions sur TP, parce que oui, on dit TP maintenant, parce que oui, j'y travaille toujours et cette vidéo a fait un buzz pour mon niveau, voilà, et c'était vraiment un petit peu difficile à gérer de répondre à tout le monde, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo update de tout ce que vous m'avez demandé récemment à propos de téléperformance, etc. Parce que je pense que c'est vraiment très important. Donc téléperformance, c'est là où je travaille, c'est l'entreprise où je travaille. Et moi, je travaille plus précisément dans TikTok. Mais après, il y a tout, il y a Facebook, Google, il y a plein d'autres trucs. Voilà, c'est ce que j'ai retenu le plus fort, on va dire. Et il y a plein d'autres trucs. Il y a Uber Eats, je crois aussi, pour certaines langues. Donc, je vais faire une mise au point sur les questions qui me sont constamment demandées pour ce qui est du salaire. Je ne pense pas avoir le droit de parler de mon salaire, mais je vais parler du salaire bas salarié déjà, ça va vous être envoyé. Il y a un salaire de base qui est celui des portugais, donc en vrai, vous n'allez pas perdre de l'argent comparé à ceux des portugais, tout va bien se passer. Un truc super important, c'est que avant de postuler à téléperformance, vous pouvez directement m'envoyer un message. Et ça, c'est un truc que j'ai pas assez dit dans la première vidéo, mais en vrai, moi, je peux vous référer. En fait, voilà, je peux vous référer en tant que, que quelqu'un que du coup je connais. Après, forcément, je ne réfère pas les gens qui me paraissent bizarres, mais je peux vous référer et je sais que j'ai beaucoup de demandes de gens qui veulent être appelés plus rapidement ou voilà, et qui veulent avoir plus d'infos, etc. Et en fait, moi, ça m'aide beaucoup de référer des gens parce que je vous avoue que ça me fait un petit bonus et que ça fait toujours plaisir. Et vous, ça vous fait avoir un appel directement, un mail, etc. Et comme ça, vous êtes sûr d'être appelé. Ça, c'est sûr et certain. Il y a tous ceux que j'ai référés ont été appelés au téléphone. Il n'y a pas de souci. Et ont reçu un mail quasiment immédiat. Donc, faut pas vous inquiéter pour ça. Donc voilà. Déjà, avant de commencer à envoyer votre CV sur le site ou de postuler, si vous voulez passer par moi, allez-y. Ça vous coûte rien du tout. C'est gratuit. C'est rien du tout. Juste m'envoyer un message DM sur Insta. Et on en discute. Et bien sûr, vous pouvez me poser toutes vos questions, etc. Pas de soucis. Bref, revenons à la suite. À nos moutons. Alors, pour ce qui est de l'appartement téléperformance, vous ne savez pas où vous allez habiter avant d'arriver sur Lisbonne. Je sais que c'est très stressant. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'adresse, vous ne savez pas où vous allez habiter jusqu'à ce que vous arriviez sur Lisbonne. Voilà, donc il faut être au courant. Ensuite, pour les questions, le coût de la vie ici. Le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France. Il faut se le dire, sauf pour ce qui est des appartements. D'accord? Donc comme vous êtes en appartement TP, techniquement le coût de la vie est beaucoup moins cher. C'est juste les appartements, les chambres, etc. C'est presque les mêmes prix qu'à Paris. Ah là là, peut-être un peu moins cher que Paris, et encore, me demande des fois. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cher. C'est-à-dire qu'un salaire minimum portugais, on va se dire que c'est 800 euros. Et 800 euros net qu'on a dans la poche. Tout l'argent que je dirai ici, si j'en parle, ce sera que ce qu'on a dans la poche. C'est environ 800 euros par mois et une location pour un appartement de deux chambres, c'est pour un truc potable, c'est 800 euros par mois. Donc littéralement, si tu vis tout seul, tu peux pas en fait. Tu peux pas vivre tout seul quand t'as pas plus d'argent que ça au Portugal. C'est compliqué, c'est pour ça que moi j'ai une chambre. Du coup j'ai une chambre téléperformance, donc moi ça me va très bien. Le coût de la vie, à part ça, tout ce qui est activité, les courses mangées, bon ça a augmenté avec l'inflation, mais c'est quand même vachement facile à vivre comparé à ce que j'ai en France. Croyez-moi, là ça fait longtemps, enfin j'y suis allée en décembre, j'ai pas payé grand chose de nourriture, mais quand j'ai vu les prix après, j'ai compris. Je me suis dit, ah,
Nice. La France, j'ai bien resté au Portugal, en fait. C'est beaucoup moins cher. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut... Désolée, je check l'heure. Il ne faut pas paniquer. Tout va bien se passer. On va dire que pour un mois, pour vivre et faire la vida loca. Mais alors vraiment, si vous faites la vida loca, 800 €, c'est bien. Voilà, pour le premier mois, parce qu'il faut toujours avoir un petit peu de côté au cas où si vous êtes des emmerdes, etc. 800 € c'est bien de côté, comme ça, si vous arrivez quelque chose et que vous avez envie juste de profiter le premier mois, allez-y, dépensez 800 balles, voilà. Mais ensuite, honnêtement, je pense que la vie d'une personne normale, toute seule, qui mange normalement et qui se fait des activités, mais en même temps qui n'est pas à sortir, à prendre des verres tous les soirs, mais qui fait quand même des sorties, hein, mais pas non plus tous les soirs, mais genre tous les week-ends par exemple, des petites sorties, etc. Je pense environ, en vrai, 400 €, 500 €. Et encore, en vrai, moi, je suis pas trop une référence parce que je commandais beaucoup sur Uber Eats et Glovo, je me suis un peu calmée, mais bon, voilà. Mais en vrai, ouais, 400 € pour vivre, c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Je sais pas combien c'est en France, mais ça doit certainement être plus, je ne sais pas. Et encore, je pense que 400 € tu peux faire beaucoup moins cher. C'est juste que moi, je suis une fille... qui aime, je fais du laser, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France aussi. Je fais du laser, j'ai pas coiffeur, j'ai pas au truc des ongles là, je fais rien. Mais quand même des fois je sors, mais très rarement, je sors jamais en fait, tant que j'y pense. Mais des fois quand je sors, je fais du surf, ou je fais des activités, et j'ai la salle ça coûte un peu cher. Mais en vrai ça va, tout va bien, c'est pas si cher que ça. En plus des fois on a des réductions dans certaines salles, parce qu'on est de téléperformance. Voilà, donc... nos soucis. Désolée si ma porte elle claque, je sens qu'on a oublié de fermer à clé. Ensuite pour ce qui est des colocataires, alors il y a des fois des problèmes avec les colocataires, ce qui est tout à fait normal. Malheureusement il y a des choses qui sont pas checkées, bon après c'est pas de leur faute non plus, ils vont pas aller checker chaque personne, mais il y a beaucoup de gens qui fument, et qui ne fument pas que de la cigarette et dans l'appartement. On a eu le cas plein de fois. Moi j'ai eu le cas tout le temps en fait, je crois que j'ai jamais eu une personne dans un des apparts qui ne fumait pas de weed. Voilà, je vous le dis clairement, parce que ici il me semble que c'est légal vu tous les magasins de ça que je vois. C'est un petit peu chiant, parce qu'en fait ils respectent pas les règles généralement. Après faut pas hésiter à se plaindre, il y a une application qu'on a pour se plaindre de quelconque souci, donc de l'appartement. Donc faut vraiment pas hésiter si vraiment c'est handicapant ou que vous avez des problèmes de santé ou que quoi que ce soit, parce que je peux comprendre que c'est totalement invivable. Enfin moi je sais que là heureusement il est pas là, mais on a un quatrième coloc qui... voilà, qui fait ça tout le temps dès qu'il est à l'appart. On a beau lui dire 40 fois de ne pas le faire, qu'il y a des asthmatiques, qu'on ne supporte pas cette odeur, il dit oui oui et il recontinue. Donc on le vivait pas très bien jusqu'à ce qu'il arrête de venir à peu près dans l'appartement. Donc c'est pour ça qu'on ne se plaint pas, parce qu'en fait il y a toujours pire. On avait peur parce qu'avant on a eu quelqu'un de pire, donc du coup on s'est dit bon, on va pas non plus se plaindre de tout le monde, parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber après s'ils enlèvent cette personne. Voilà, faut penser un peu stratégique. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on vit très bien parce que ce gars qui fait ça, il n'est pratiquement jamais là. Donc tout va bien. Sinon, après, je peux comprendre que la vie en communauté, ça peut être un peu compliqué. Moi, ça a été quand même pas mal, je vous avoue. Mais on s'en sort. Voilà, quand il y a de la communication et que les gens sont compréhensifs, on s'en sort. Après, si les gens veulent pas comprendre, eh ben, moi, je fais directement une demande à des gens dehors, il y a des enfants, il y a une sortie scolaire, je ne sais pas. Bref, moi je fais directement une demande, je sais qu'on doit me prendre un peu pour la chambre de service, mais j'aime, enfin c'est mon appartement, c'est pas moi qui, enfin je veux dire, j'ai de l'argent qui part chaque mois dans cet appartement. Tout ça pour dire que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il y a toujours l'application s'il y a des problèmes. Et la vie n'est pas chère. Ensuite, c'est quoi ce qu'il m'avait demandé? Les endroits où aller. Pour ceux qui aiment les bars, je vous conseille Bero Alto. Voilà, c'est l'endroit où il y a tous les bars, toutes les boîtes, tous les machins, il y a tout là-bas. C'est le monde de la nuit. Je me demande comment les gens qui vivent là-bas font pour dormir, parce qu'il y a du bruit tout le temps. Donc voilà, si vous avez besoin d'aller quelque part dans la nuit pour sortir, etc., vous êtes un gros fêtard, allez dans Bero Alto. Ensuite, c'est un quartier, hein. Bero Alto, c'est dans Lisbonne. Voilà. Qu'est-ce que vous m'avez posé d'autre comme question qui revenait très souvent? Je ne sais plus. Vous m'aviez perdu. Oh, c'est sans transfert. Oh, j'adore. Pardon, désolé. Rien à voir du tout avec l'histoire.
Non, en vrai, je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses qui m'ont surtout demandé. En fait, j'ai parlé des trucs principaux. Forcément, on ne choisit pas l'appartement où on va. Après, d'autres questions. Ah oui, ça, le truc le plus important, en fait, un des trucs les plus importants. Parce qu'on me dit, mais Charline, tu travailles là-dedans depuis 2 ans et demi. Pourquoi est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu conseilles après tant de temps à y travailler? Ah oui, il y a aussi, on m'a demandé si on pouvait évoluer, s'il y avait des capacités d'évolution. Alors je vais vous faire un truc très rapide parce que je dois vous laisser, donc je vais répondre rapidement. Je reste dans ce travail parce que ça me plaît. Ça ne me dérange pas de travailler alors que la seule fois où j'ai travaillé, je ne voulais pas me réveiller le matin pour aller travailler. Là, ça va, je me réveille en forme, mon travail n'est pas trop compliqué. C'est amusant, des fois. Des fois, j'ai des petits cas drôles. Franchement, ça va, je le vis bien. Enfin, je sais pas comment on devrait l'appeler, sup, manager, je ne sais pas. Elle est incroyable, incroyablement gentille. Je l'adore, elle m'arrange tout le temps pour tout. Bon, je pense qu'elle arrange un peu tout le monde, mais voilà, dès que j'ai le moindre souci médical ou quoi, elle me demande des nouvelles, elle m'arrange quand je dois laisser le travail pour aller à un rendez-vous médical par exemple, parce que ça peut vous arriver, vous voyez. Généralement, je trouve que les gens de téléperformance sont plutôt bienveillants, et ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc en vrai, je trouve que les gens sont beaucoup plus humains qu'en France. Moi, quand j'entends des histoires qui se passent en France, je suis choquée. Moi, une fois, parce que là je suis toujours en TikTok, mais avant j'étais dans une autre branche, et là je suis dans une autre branche depuis 1 an, donc j'ai fait en gros 2 branches de TikTok. Mon ancien sup m'avait dit, dans ma première branche, j'étais rentrée d'Inde, par exemple, j'étais rentrée d'Inde du coup avec mon mec, etc. J'étais rentrée, j'étais triste. Pendant une semaine, j'étais triste, et vous savez, quand on revient de longues vacances dans un endroit qu'on a trop aimé, avec des personnes qu'on a trop aimé, on a un peu le blues du voyage. Et j'avais beaucoup moins de productivité. Et donc mon ancien supérieur m'a dit en privé, est-ce que ça va Charline et tout, je vois que ton travail, que tu travailles moins bien cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, je sais pas, est-ce que ça va quoi? Et moi du coup j'ai expliqué que c'était juste le retour de vacances, que ça allait bien se passer, c'était juste le temps que je retrouve mes marques. Et au final, la semaine d'après, nickel, je me suis remise directement sur le plan et je n'ai pas eu de soucis. Et en fait, tout se passe très bien, les gens sont compréhensifs, ils sont gentils. Dites-vous que j'ai même une psychologue de téléperformance, parce que ça aussi c'est gratuit, c'est inclus dans le truc. Et dès que j'ai besoin, je prends la psy et c'est compté dans mes heures de travail. Et franchement, c'est nickel en fait. Je trouve que téléperformance, honnêtement, de mon point de vue, c'est une très bonne expérience. Après, tu peux y rester longtemps ou pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Et oui, tu as la capacité d'évoluer si tu as envie et que tu es compétent. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Je gère extrêmement mal le stress et que j'ai des abcès depuis mes traumatismes. Dès que j'ai une dose de stress, j'ai un abcès. J'aimerais bien éviter d'avoir des abcès. Donc, on va éviter totalement le stress. Voilà. Sinon, pour la qualité de vie, je fais juste une petite phrase dessus. La qualité de vie est super cool. Le soleil, comme vous voyez là, voilà, je suis ensoleillée. Le soleil, les gens, la bonne vibe. Quand t'es une femme, t'as beaucoup moins peur d'être dans la rue la nuit. J'ai pris plein de fois le train la nuit de Lisbonne à Setúbal. Donc une heure et demie de trajet. À 23h minuit, j'ai pris le train plusieurs fois. Je ne me suis jamais sentie en non-sécurité, je me suis toujours sentie bien. Bien sûr, il y a des petits quartiers qu'il vaut mieux éviter quand t'es une femme seule, dans une mini-jupe encore plus. Bon, maintenant, la jupe ne compte pas vraiment, mais bon. Voilà, des quartiers à éviter, du style, il me semble que c'est Marquès des Pombal, la nuit, qu'il faut éviter d'y aller, je crois. Mais voilà, il y a des petits endroits où tu te sens pas forcément à l'aise, mais en vrai, en soi, c'est cool. Et puis les gens sont cool, ils sont un petit peu trop chill des fois. Mais sinon c'est cool. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou par DM Instagram qui est dans la description. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous. Abonnez-vous bien sûr et laissez-moi un like parce que vous avez kiffé la vidéo, j'en suis sûre. Et surtout je vous dis salut Tani.